Le 6-9 vous dit bonjour. Le guest du vendredi, c'est Wirvana. Bonjour Wirvana, comment bonjour, ça va? Bonjour, ça va. T'as l'air fatigué, je vois que tu fermes un peu les yeux. Non, c'est le matin, c'est mon visage du matin. C'est chaud comme ça le matin? Ouais, c'est chaud. Ouais, on est chaud, à quoi? Surtout qu'on dort super tard. Oui, il y a les répétitions, tout ça. Ouais, exact. On est justement à combien de jours avant le concert au Palais des Sports du Goudier? Je crois que c'est J-9. Hein. J-9, le stress commence à monter ou c'est comment? En fait, je me force à faire des choses pour que ça puisse pas m'envahir, en fait, donc je me rends pas compte. Mais j'imagine bien que c'est là. Hein. Le stress sera là, surtout quand tu vas monter sur scène, j'imagine. Exact. Alors, j'ai vu sur les réseaux que ça bosse dur, hein, un coach personnel qui te fait faire des exercices, tout ça. Bon, clairement, t'as perdu combien de kilos? Là, maintenant, j'en ai 7. J'ai perdu 7 kilos. 7 kilos, ouais. T'as pris de la masse aussi? J'ai fait, mais je sèche en plus. Je vais juste sécher en fait. Je vais pas prendre de masse en fait. Ouais. J'étais assez costaud. Et tu fais combien en développé couché? Bon, allez, tu lèves combien? Non, tu lèves combien? Je lève pas beaucoup, je sèche. Donc je fais des. Je mets des petits poids et je fais énormément de répétitions. Donc en fait, vous l'aurez compris, pour sécher, il faut prendre des petits poids. Petits poids. Okay. Ouais, des fois c'est embarrassant hein, parce que tu vois à côté de toi peut-être que. Il y a même des filles en fait qui lèvent beaucoup plus que toi et t'es là avec ton petit poids et tu... C'est chaud quoi. Mais c'est important avant un concert de faire du sport comme ça intensif. Alors pour moi oui, parce que alors entre temps j'ai pris du poids, j'ai pris beaucoup de poids et puis comment j'ai toi. Ouais c'est ça. Et puis le fait que j'enchaîne danse chant, il faut quand même ça demande du cardio en fait. Parce que maintenant tu danses sur scène. Ouais. Pas maintenant, concert. J'avais déjà commencé, mais j'essayais de m'améliorer de petit à petit, de monter en tu puissance. Tu nous fais un petit pas là, vite fait. Tu nous montres un truc, je sais pas. Je signale qu'on enregistre. J'ai des points. J'ai des points. Donc, on rappelle le concert, c'est le 20 octobre prochain, ça va se passer au Palais des Sports du Gosier. Oui. Et Wirvana est avec nous jusqu'à 9h, avec tout à l'heure évidemment un match-up. Va falloir chanter Wirvana. Ça va. Pas de problème. Ouais, pas de problème. La fumée comme dit. On enchaîne avec le son qui cartonne en ce moment, c'est Voleur de cœur, c'est Wirvana sur Énergie. Si c'est dans le 6-9. Wirvana sur Énergie Anti, c'est le guest du vendredi dans le 6-9. On est ravis de te recevoir ce matin. Wirvana, quelques mots sur le concert. J'imagine un tas d'invités sur la scène avec toi. Exactement. Je pense que toutes mes collaborations seront là normalement. Toutes normalement. Sans exception. Normalement tout le monde sera là. Normalement c'est prévu que tout le monde soit là. Et puis après il y aura effectivement des surprises que je vais garder pour moi. Des surprises, donc c'est des gens qui n'ont pas eu de feat avec toi. Qu'on n'a pas encore collaboré, mais que j'aime bien ce qu'ils font. Et puis c'était dispo à ce moment-là, et puis voilà. Alors tu parles de surprises, mais t'as quand même dit dans la promo sur l'antenne que t'allais nous donner un aperçu de tes surprises. J'ai dit ça? Attends, tu sais quoi, ce qu'on va faire, c'est que je vais te citer des noms. Tu me dis oui ou non. Ils seront là avec toi. Il n'y a pas de joker? Non. Zéro joker. Nous, on n'est pas, pas dans le genre là. Alors écoute bien, Métiès, forcément. Oui, non. C'est malin, Zolens. Non, c'est important, non. Alors attends, Admiralty. Oui, non. On va pas y arriver dans les. Je sais pas, vas-y, pose. Non, dis, mais peut-être. T'as pas le droit de dire oui, t'as pas le droit de dire non. T'as pas le droit de dire oui, non? Ouais. Ok. Donc Métiès. On va pas y arriver, il veut rien lâcher en fait. Donc, alors donne-nous au moins deux personnes qui seront sur la scène, juste deux. Mon père, Canada, Gouka, qui d'autre? Métier sera là. Ah quand même. Métier sera là. D'accord. Et le reste? J'ai demandé si Admiral sera là. Non, je pense que ça, il fera partie de la surprise évidemment, puisque vous chantez ensemble, Bainbridge Show, donc forcément. On aurait dit un plat. Wirvana a parlé de Canada. Donc t'es issu d'ailleurs d'une famille de musiciens. C'est la famille Geoffroy. Tu pourrais sortir un album essentiellement Groka? Alors non, peut-être pas essentiellement Groka, mais je pourrais sortir un album sur lequel il y a des sons Groka pure. Oui. Ah, vraiment? Exact. Mais c'est prévu d'ailleurs. Sur mon prochain album, j'aurai des sons pure Groka. Purement Groka, pardon. J'ai trop hâte. Mais du coup, cette son à tout, ça te parle ou pas? Oui, je connais. Ils sont nouveaux, ils sont très bons. Ils sont lourds. Ils sont très bons. Non, je les connais depuis parce que ça fait un petit moment que je suis dans le milieu du Groka. Je les connais depuis et le parcours, franchement, leur album est super. Je me rappelle qu'ils étaient venus amener pour mon père et j'avais récupéré le CD sur mon père parce que j'avais aimé en fait. Ils innovent un peu le Groka et on a besoin de ça. Alors la spécialité de Candida, c'est quand même les veillées, c'est le boule à gel. Exact. Et justement, nous, on veut un cours de boule à gel. C'est un truc, ça fait partie de la culture guadeloupéenne. Vas-y.
Alors, Boulagel. Boulagel, c'est imiter le son. C'est Boulagel ou Boulagel? Boulagel. Bon. Okay. C'est imiter le son du tambour avec ta bouche. Donc ça donne un truc comme mi mo 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 mi mo. Nandi, vas-y, va voir si. Vas-y. Et en fait, on se croirait dans une veillée là, du coup. Chacun a son boulaguel. En fait, il n'y a pas un boulaguel précis, chacun. Et c'est en fait, c'est le fait que tout le monde fasse son son, qu'il soit marié et qu'il donne un bon son au final. En fait. Donc, forcément, on aura du boulaguel au cours du concert avec le groupe candidat. Bon, restez avec nous sur Energy. Il y a Weirmana jusqu'à 9h. C'est le guest du vendredi. La Magnum avec My Baby. À tout de suite. C'est 6-9 sur Energy. 8h13. On a été dans la rue poser, demander aux gens ce qu'ils pensent de Weirmana. Et puis évidemment, leur demander le gimmick de Weirmana. Parce qu'il y en a plusieurs, mine de rien. Quel est le réel gimmick de Weirmana? La fumée, ok. Et ça vient d'où ça? Avant, c'était pas ça au tout début. C'était quoi au début? Au tout début, quand j'ai commencé à chanter, c'était pas venir, test, bof. Donc, là, je parle des années collège, quand j'ai commencé à chanter, en fait. Et ça vient d'où cette histoire de la fumée? La fumée, ça part d'un délire de base, c'était entre nous. Et dès que tu quittais bien, on disait la fumée. Et puis, on a commencé à mettre la fumée sur pratiquement tout. Bien, pas bien. Quand je dis pas bien, ça veut dire que. En fait, c'était notre mot à nous pour qu'on puisse se reconnaître. En fait, un jour en Martinique, on a lâché le gimmick, la fumée, et puis je l'ai mis dans un son, et puis c'est parti. C'est parti. Après, ça a pris une autre signification, et puis voilà. C'est devenu donc le gimmick de Weirmana, la fumée sur énergie, le seul micro-trottoir du 6-9. Écoutez. Cousine, oui, je connais Weirmana. D'accord, tu connais son gimmick? La fumée. Cyril, c'est la fumée. Tu peux me donner un extrait? Un extrait? Non, je ne suis pas chanteur du tout. Mais toi, merci beaucoup. Pas de soucis. On peut faire stop. Pourquoi tu veux faire stop? Le micro te fait peur? Oui. Lolo. Ah ben lui, c'est la fumée. Ouais, ben faut le faire mieux. Ah ben non, mais c'est tout ce que j'ai pu faire. On va faire plus. Ah non, il va pleuvoir si je chante. Oui, dis. Mais on va dire, ouais, on va la man, la fumée. Baby Malone, bon, tu sais, je connais, j'ai compris les sons, mais je connais pas tout bien les paroles. Mais c'est vrai qu'il a du bon son, et puis là, je pense que le concert, ça sera chaud. Tu y seras? J'espère. J'espère. La fumée. Ah ben voilà, c'est mignon, tout plein. La fumée. C'est donc Weirmana qui est avec nous ce matin. Donc c'est le gars du vendredi jusqu'à 9h. On a des questions comme ça? Question. Bah, du coup, on va faire la petite playlist de Weirmana aujourd'hui. Ce matin, tu t'es réveillé avec quoi? Pour te mettre dans l'enjaillement. Du gros cas. Avec du gros cas, ok. Avec un morceau du genre Evaris. Exactement. La pipoque. Evaris, c'est ça, c'est le groupe candidat. Donc chaque matin, tu te réveilles avec du cas? Ouais, ça va dépendre de quel morceau, mais en général, c'est souvent celui-là ou Banzai, morceau de mon oncle. Ça donne l'entrée pour attaquer la journée. La pêche. Et on continue avec justement la pêche, donc le sport. Yes. T'as dit que tu faisais beaucoup de sport et tu écoutes quoi pendant que tu fais tout du sport? Coffee. Oh, en train de soulever tes 5 kilos. Non, 2,50 kilos. Non, il fait pas 5 kilos, c'est trop lourd. Je sais pas, qui veut sécher, donc pour sécher, c'est un poids un peu moins lourd. Et on finit avec le morceau, tu sais, Doucine. Quand tu as besoin de serrer la copine, alors ça sera quoi? Coucher un petit casse là. La piscicole va chanter là. Chai, rétro, la piscicole. Donc ça c'est le son quand t'es en bonne compagnie. Exact. Enfin en bonne compagnie. Quand on est en bonne compagnie, c'est son aussi à l'imbé, son en bonne compagnie. Mauvaise compagnie. C'est le son qui passe un peu partout. Dizouk, Weirmana, je parlais tout à l'heure du cas. Ouais. Est-ce que aussi on pourrait avoir un titre Zouk? Je crois que tu l'as pas encore fait. Alors, j'ai pas encore fait un titre Zouk. Zouk, 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 mais en vrai, j'ai déjà mélangé des sonorités zouk avec des morceaux. Doudou, par exemple, c'est une sonorité zouk. Même Voleur de cœur, c'est du zouk avec un peu de pop. C'est du zouk, ouais, mais je veux dire du zouk pur et dur. Oui, c'est ce qu'il y a possible. Ouais. En fait, j'aime la musique. J'aime vraiment, j'ai pas de style.
Perso, j'ai donné trois styles différents en fait. Donc t'es pas fermé, voilà. Non, genre, pas fermé du tout. Tu peux poser sur de la dancehall, sur du ska, sur du zouk. Exactement. Ouais. Exactement. Le prochain album est prévu pour quand d'ailleurs? Normalement, après le concert, je pense que début nouvelle année, si Dieu veut, si tout se passe bien. T'as déjà des sons donc? Mais pas. Non, parce que je me dis, tu prépares un concert, en même temps tu veux sortir un album, c'est pas un peu l'eau fouillée dans la tête à un moment donné? Non, mais en fait j'aime ça. J'aime. Travailler, ne pas me rendre compte que en fait, quand on est passionné, c'est ça. Je suis passionné de musique, donc plus j'ai de la musique, mieux je me porte. Très bien. C'est le 20 octobre prochain, Urban Night en concert. D'ailleurs, si vous voulez jouer avec nous et gagner des places, c'est possible. Vous nous appelez au 0825-825-696. Alors, Urban Night, on a un jeu qui s'appelle le jeu des 4 mots. Exactement. Tu m'expliques en 2 mots. En gros, en 4 mots, je vais l'expliquer. Tu m'expliques en 4 mots, ouais. Du coup. Non. On donnera 4 mots à un auditeur ou à une auditrice. Elle ou il va devoir nous donner 4 mots en rapport avec ce qu'on lui aura donné. Et tu vas devoir en retrouver au moins un pour que la personne puisse gagner. Ouais, change là, c'est où? Il a compris, le monsieur? C'est quoi? Ah bah, ouais, là. Bon, on va lui expliquer de sort, de toute façon. On va jouer dans un instant. On va écouter du son également. Tiens, il y a Dadju avec Django, puis on revient tout à l'heure avec Urbana sur NRG. Urbana est avec nous ce matin sur NRG, dans le 6-9, c'est le guest du vendredi. On rappelle que le 20 octobre prochain, c'est quoi? C'est dans même pas 9 jours. Concert au Palais des Sports du Gosier. Comme chaque vendredi, dans le guest, on fait le ça ou ça. C'est les questions ping-pong, yes. Avec Morgane et Nandi. Vas-y, Morgane. Ok, Festival de la Dominique ou Festival de Marie-Galante? Marie-Galante. Oh, bien. Paire de blues. Alors, Négresse ou Chabine? Les deux. Question compliquée quand même. Ah non, j'ai posé la question parce que dans tes clips, justement, contrairement à certains artistes, toi tu mets les deux. Ouais, un coup de Négresse, un coup Chabine. C'est un melting pot. Ah ouais? T'as de tout. C'est bien joué. Non, moi je vais enchaîner Négresse, Chabine, Zindienne ou. Jeune blanc, métro, blanche. Tout en fait. Les femmes en général. Les femmes en général, on est d'accord. Bokit ou Agoulou? Bokit. Ok. Soirée villa entre potes ou soirée boîte de nuit? Ville entre potes. Ok. Tu nous invites? Si tu veux. Okay. De toute façon, il peut plus aller en boîte de nuit. Non, j'y vais de temps en temps. Ça t'arrive ou? J'y vais de temps en temps. Quand on y va, ouais. J'y vais, mais après, sinon, je suis pas. C'est pas trop mon truc. Ça n'a jamais été. Ok. Trouver l'amour éternel ou gagner au loto? C'est ma préférée, celle-là. Avec l'amour éternel, on peut être riche. Donc, trouver l'amour éternel. C'est beau. Je pense. T'es le premier à dire ça. Ouais, peut-être, mais c'est comme ça que je pense. Je suis émue. Ouais. Mais du coup, l'amour éternel, tu la préfères fine ou en forme? Non, ça. On s'en. Fine ou en forme, en vrai, on s'en fout. Ouais, normal, en vrai. Moi, la question que je me posais, c'est. Parce que tu peux être fine et devenir en forme après. Est-ce que tu l'as trouvé, l'amour éternel? Ouais, je pense. Je pense, on n'est jamais vraiment sûr, mais je pense, ouais. C'est tellement mignon, je suis émue. C'est bon, ouais, calmez-vous. Est-ce que soulève des poids? Plus que toi? Est-ce que soulève des poids? Ah, quand même pas. Il est avec nous, Urbana, sur NRG. Dans un instant, l'info à 6h30. On écoute Davido qui combine avec Chris Brown. C'est Blow My Mind sur NRG. C'est le 6-9 sur NRG avec un instant le sans le jazz. C'est Cauchy Tête. On va jouer avec Urbana. Urbana, notre invité, le guest du vendredi. On joue au jeu des 4 mots. Le 6-9 sur NRG. Le jeu des 4 mots. Carrément, il y a du monde avec nous, Nandi. Ouais, il y a Laura avec nous. Salut Laura. Hello, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Ah, elle est contente, franchement, hein. Moi je dois le balancer. Ça fait combien? 3 semaines, Laura, ouais, que tu nous harcèles, je pense. 3 semaines, facile. Elle veut forcément des places pour le concert de Urbana, c'est ça? Tu sais, oh, même que. Okay. Ah, c'est obligatoire. C'est jouable, c'est jouable. Donc d'ailleurs, c'est Urbana qui va te faire gagner ou pas? Oh. Ouais, il y en a trois. Urbana, il n'y a rien de personnel, mais il faut que tu sors du studio. Ouais. Ok. C'est impératif. Voilà. Je sors du studio. Tu sors du studio 2 secondes parce qu'on va poser, on va proposer les mots. Exactement. À Laura. Alors, d'accord. Laura, si je te dis marathon, tu me dis quoi? Cours. Ok. Mm-hmm. Si je te dis dimanche? Repos. Ça a été direct. Je te jure. Concert? Urbana. Et si je te dis Urbana, justement? En fait, là, c'est plus long pour moi, c'est l'enfant du pays. Non, mais là, c'est trop. Il va pas trouver ça. C'est peut-être l'enfant du pays, mais voilà, là, c'est trop. Il essaie de gagner quand même. Un si mot. Je te dis Urbana. On va dire au calme, il aime beaucoup le calme. Ok, c'est noté. Oui, Urbana, la fumée. Ramenez la fumée, s'il vous plaît. Le
Nous avons les extincteurs. Ramenez la fumée, c'est bon. La fumée est dans le studio, c'est bon. Oui, Urbana est là. J'aurais dit bien man. Ça s'annonce bien. Ça s'annonce, ouais, facile, ouais, 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 je sais pas. Facile. Non, non, mais je j'ai un doute. J'ai un doute. Bon, les derniers sont compliqués, mais je pense que c'est jouable. J'ai un doute, mais on y va. Alors, allez. Oui, Urbana, si je te dis marathon, tu me dis. Course. Eh ben. Bonne réponse. Eh ben, Laura, tu gagnes tes places pour le concert. T'as gagné? T'as gagné, hein? Oui, merci, mais vous avez noté l'état d'esprit commun. Non, mais j'avoue, t'as raison. On va quand même voir s'il y a un esprit commun. Allez, comme tu dis. Jusqu'au bout, deuxième mot. Dimanche. Famille. Nul. Tu vois, t'avais dit repos. Ouais. Il fallait penser. Ah ouais, j'ai pensé en plus. Hein. Troisième mot. Elle a, alors, pour concert. La fumée. Ouais, la dimanche. Écoute. La fumée Urbana, c'est des synonymes, hein. J'arrête. Pour finir. Mon concert, donc je vais ouais, c'est sûr. Passer vos gimmicks. Et quand je lui ai dit Urbana, à ton avis, elle nous a dit. Elle a dit c'est difficile. La fumée, c'est non. Pas. Elle a dit K. Ouais. K. Ouais, c'était pas. Et c'est vrai, mais tout ce qu'elle dit, c'est vrai. Oui. C'était pas des mauvaises réponses, hein, mais c'est des bonnes réponses, mais voilà. C'est pas des mauvaises réponses en même temps. Mais en tous les cas, une réponse a suffi. Il y a un marathon, je te jure. Laura, une réponse suffit. Hein. Tu iras au concert de Urbana le 20 octobre prochain au Palais des Sports du Gozi. On t'offre deux places. C'était fait exprès. Ouais. Fallait pas qu'on voit que nous sommes connectés. Un mot à Urbana avant de partir, Laura. Reste concentré. Mm-hmm. Focalise-toi. Mais surtout, prends du temps pour toi, pour ta famille, ça, et plus important, pour ton fils. Maman. Je sais que c'est pas facile, maman. Mais tu peux le faire. Coach de vie. Oh, ouais, c'est exactement ça. Bien, Laura, bien. Coach de vie. Merci beaucoup, Laura. Merci beaucoup. Hein. Merci à vous. Et rendez-vous concert le 20 octobre prochain au Palais des Sports du Gosier. Tout à l'heure, on va faire le mash-up. Hein. Reste avec nous, surtout. On va chanter. Ça va être un massacre, mais on va chanter quand même. On écoute Buzzy Signal. 6-9 sur Énergie. Pourquoi il est désolé, Urbana, j'ai entendu rapidement, je suis désolé. Ah oui, je sais, il peut pas donner d'infos en fait sur le concert. Mais si, il va donner. Mais non, mais il y a le manager qui met son veto. Mais l'écoute pas, à quoi il sert de toute façon. Il est méchant, il est violent. Non, il y a le manager qui met le veto, qui veut que rien ne sorte avant le concert du 20 octobre. Attends, il est en train de lui mimer un truc là. Ah oui. Ah oui. Vas-y. Alors vas-y. Admiralty. Admiralty. Non mais ça c'est confirmé. Admiralty sera là. Ça c'est confirmé. Il y aura Candida, il y aura Métis. Je peux même te donner Silverman. Il y en a d'autres. Hein. Ah comme bon, le manager veut pas balancer, moi je peux balancer. Popcan aussi. C'est lui qui fait le concert. On a des questions auditeurs rapidement. Nandi. Oui. Narca. Narca. Morgane. Pourquoi Urbana? D'où vient Urbana? Ah, c'est le nom. Urbana, ça vient de... Depuis que je suis jeune, je ne traîne jamais avec les gens qui ont mon âge. En fait, je traîne avec beaucoup plus grand que moi. Et en fait, c'est eux qui ont commencé à chanter. Ils ont créé le groupe Casque d'or. À l'époque, j'ai intégré, j'étais le plus jeune. Et ils avaient tous un blaze. Et moi, il me fallait un blaze. Et à l'époque, Internet venait d'arriver en Guadeloupe. C'était vers Ouanadou. J'ai dit, si jamais un jour je chante, je le fais en mode rapide. Hein. J'ai dit, si jamais un jour je chante, je vais être connecté au monde, je vais sentir ce que les gens vivent. Donc, en fait, c'était comme ça que Internet était vu, c'était la connexion au monde. Donc, j'ai dit, il faut que je trouve un nom en rapport avec Internet qui était Verwanadou. Donc, je me suis appelé Verwanadou. Et après, j'ai été chanté à Petit Canal et on m'a appelé Urbana. Ouais, c'est chiant. J'ai été chanté à Petit Canal, on m'a appelé Urbana. Okay. Je parle du principe que c'est la personne qui fait le nom et non le confiant. Ok, c'est exactement. Beau, c'est beau. Deuxième question, t'es de Sainte-Anne. Petit coup de promo pour l'endroit le plus beau pour toi à Sainte-Anne, l'endroit le mieux à Sainte-Anne. Oui, c'est l'endroit le plus beau qui existe. Sur la terre entière, plus précisément Grand Fonds Sainte-Anne. Ah, donc, c'est mon gars, c'est mon gars. Grand Fonds, ça. C'est l'endroit le plus beau qui existe sur terre. Ouais, je suis désolé pour les autres qui habitent dans les autres communes. C'est un peu le clan, c'est là où se trouve le clan ouais. Geoffroy, quoi. Exact. À Grand Fonds, donc. Exact. On se doute un peu. Reste avec nous sur Energy, donc on n'aura pas plus d'infos sur le concert du 20 octobre prochain, mais en revanche, on aura un mash-up tout à l'heure. Ouais. On va chanter quelques titres de Urbana, c'est juste après. L'Amrema avec le titre Doumedi sur Energy, les 8h47. Le 6-9 sur Energy, 8h49. Notre invité du vendredi, le guest du vendredi, c'est Urbana. Ça va chanter dans quelques secondes. Mais je vais quand même revenir sur le concert. Bon, on n'aura pas les infos qu'il faut, pas grave. Mais en revanche, il y a une très bonne action par rapport au concert, par rapport aux tickets achetés. Yes, en fait, tous les tickets que nous allons vendre, 1 € sera reversé à la Ligue contre le cancer. En fait, je pense qu'on est tous concernés. Hein. On a tous dans notre famille un membre qui a été ou qui est touché par cette maladie.
Et en fait, c'est quelque chose où on a besoin. C'est une maladie où on a besoin de gens autour de soi parce que c'est un combat qu'on mène. Mais il faut aussi la connaissance de cette maladie. Et la Ligue contre le cancer, c'est ce qu'ils font en fait. Ils vous apportent la connaissance de cette maladie parce qu'on a tendance souvent, lorsqu'on a le cancer, à croire que c'est fini et ça se joue dans la tête. Et à ce moment-là, le corps se dégrade beaucoup plus vite parce que le cerveau ne suit plus, on est déjà en mode défaitiste et c'est pas bon. Donc voilà. Et ça tombe bien parce que c'est octobre rose, on rappelle, hein, avec tout le mois d'octobre. Exact. Bah, mois de prévention pour le cancer du sein, justement. Donc, puis apparemment, il y a un son aussi qui va sortir ce week-end en exclu sur NRJ Antilles, c'est quoi? Ouais, c'est par rapport à ça, en fait. C'est déjà l'avenir. En fait, c'est par rapport à cette maladie que mon oncle a eue. Il est décédé de ça, malheureusement. Ben, j'avais vécu ça et ça m'avait fait quelque chose, en fait. Et j'avais mis ça en musique. C'est ce que j'ai mis en musique, d'ailleurs. Et c'est un titre qui sortira normalement prochainement. Et à écouter ce week-end, mon ami. Ah ouais, je te donne une info. Ce week-end, sur NRJ Antilles, donc vous aurez en total exclu le nouveau son sur le concert de We Are Vanna. Bon, vous savez ce qui se passe là maintenant, avant de partir? Le mash-up du 6-9 Energy. C'est le mash-up. Et le mash-up, évidemment, on chante quelques titres de We Are Vanna. On va commencer évidemment par la chanteuse du groupe. Attention au massacre, hein, ce qui me concerne. C'est parti! Et baby, quand vous voulez, moi, Dieu, oui, vous faites que y'en me batte. Et y'en me bon possible, coup la sans péqué raté. Baby, vous faites moi, pète la carte. Pas faire mal. Aïe, mon Dieu, j'ai bugué sur la dernière phrase. Ça m'arrive, j'ai plus la place dans le cas, oui. Miguel qui se basse. Attends. Je vais essayer de relever le niveau. Yeah. Yo, dis-moi qu'on s'en a aucun hésité. Viens-moi à des séquelles en mitié. Du coup, ça, là, vous comprenez ces jets. Pourquoi pas figé? Vini en bas, en moins. Laissez l'emmouchailler moins. Mais écoute ça. Il y a toujours la dernière phrase. C'est la dernière phrase. Pourquoi on bug? La dernière phrase, c'est toujours la plus difficile. On va laisser le boss s'exprimer. Yermana est avec nous. C'est le mashup. Si vous m'en choisissez pour gagner, qu'il y a moins qu'à battre bas. Non, moi, pas pète, c'est quand l'on vous répond. En pique qui répéter, y'a assez de vous, moi là. Oh, yeah. J'suis plutôt dealer d'amour, plutôt voleur de cœur, moi. Tomber amoureux, ça me fait peur. Doué pour faire la cour, vivre en couple, ce n'est pas pour moi. Tomber amoureux, ça me fait. Hey. Yo, palababa, au sol, panigon, ou bananana, conforme de tête, guada, yes, ou ton, palababa, vintage, sous ton. On peut dire pull-up ou pas, parce que pull-up ça. Évidemment, c'est pas sur l'instru, donc c'est. Mais c'est pas mal, c'est même très 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 bien le mashup de We Are Vanna qu'on va retrouver évidemment en concert le 20 octobre prochain. Toujours pas d'infos? Il veut pas. Ouverture des potes 16h. 16h. C'est une info. Ah, ça, c'est de l'info, Franchement. Le concert, il commence à quelle heure exactement? À 18h. Donc, dès 16h, soyez là, même un peu avant, 15h30. Des fois, on ouvre les portes bien avant, c'est jamais. Mm-hmm. Donc voilà, le concert, c'est le 20 octobre avec NRJ et Antilles. Et puis ce week-end aussi, ratez pas le nouveau son de We Are Vanna. Exactement. Dont le thème est le concert. Et la Joker Sport. Faut pas oublier. Exactement, Joker, ce week-end, exactement. C'est dimanche. Avec. Pour une bonne cause. Mais merci beaucoup, We Are Vanna, d'être passé. C'est moi. C'est sympa. Franchement, ça a été un peu court, mais voilà. On se donne rendez-vous le 20 octobre au Palais des Sports du Gosier. Avec encore des places à gagner, notamment tout à l'heure avec Will dans la Rouletta. Merci, We Are Vanna. Boom. Il était notre invité. Guest du vendredi. Alors, vendredi prochain, je crois qu'il y a Samo. Samo et Vigiben qui seront là. Ah, tu crois, voilà. Moi, je suis sûr. Je suis quasiment sûr. Vendredi. Ils seront au concert. Avant de partir, on a eu l'info. Samo et Veggie Ben seront donc au concert du 20 octobre. Merci beaucoup, We Are Vanna. Voilà. Et pour finir, Compoint CG, We Are Vanna, métier, si on est gentil.